station de métro la plus importante est appelée l'Assomption. Cette station, anciennement l'Assomption, un nom encore vu sur la plaque descriptive de la station, est nommée pour Boulevard de l'Assomption. Il est ainsi nommé en 1951 pour célébrer la confirmation du pape VI du dogme de l'Assomption de Marie dans son mission 1950 de Constitution Munificentis. Saint-Léonard était originellement nommé Saint-Léonard de Port-Maurice, après Léonard de Port-Maurice. Léonard était un prédicateur franciscain et un écrivain monastique. Après un peu de temps, l'arrondissement a commencé à être appelé Saint-Léonard. Les éléments particuliers des ostensions de Saint-Léonard, par comparaison avec ceux des villes limousines autres, c'est l'importante participation des délégations des paroisses et lieux de culte dédiés à Saint-Léonard en provenance d'autres parties de la France et d'autres pays. Jour de prière et pique-nique pour les femmes. Concert choral du communauté, vendredi le 12 avril. Un 3 jours marche de Canterbury à Hastings, samedi le 4 mai à lundi le 6 mai. Saviez-vous que Saint-Léonard est composé en grande partie d'immigrants italiens? Car il y a un grand nombre de résidents italiens canadiens, le surnom de Saint-Léonard est Città Italiana. Saviez-vous que Saint-Léonard est un arrondissement très sportif? Il y a des zones de football et de soccer situées dans tous les parcs, 3 piscines publiques, 2 parcs de patinage, un chemin de bicyclage qui se mesure 10 km et 2 arénas de hockey. Les arénas de hockey sont utilisées pour la formation des champions olympiques. Saviez-vous que pour beaucoup de temps, Saint-Léonard était un arrondissement séparé de Montréal? En 2002, il a finalement joint la ville